Je suis responsable du master professionnel de didactique du français, langue étrangère et seconde à Bordeaux 3. C'est un master professionnel qui s'organise en 2 années. Une première année qui a une visée relativement générale, puisqu'il s'agit de former des professeurs compétents en français langue étrangère, donc qui vont aller essentiellement enseigner le français langue étrangère à l'étranger. Et puis, nous avons développé en 2e année de master une spécificité. On a une tradition donc, depuis 2005 au moins. On travaille beaucoup sur l'utilisation des nouvelles technologies, des TIS, pour l'enseignement-apprentissage des langues. Et un petit peu plus récemment, on a beaucoup travaillé sur le développement des outils pour, disons, des formations en e-learning, donc des formations à distance ou des formations qui servent à compléter le présentiel, donc qui apportent un plus à des cours qui seraient en présentiel. Donc nos étudiants à la fin du M2 sont d'une part des enseignants professionnels particulièrement formés sur l'utilisation des TIS dans la classe de langue. Par exemple, ils vont être capables d'utiliser un tableau blanc interactif. Mais ça va être aussi des gens qui vont être capables de développer une formation à distance dans une structure pour des apprenants qui, par exemple, ne peuvent pas se déplacer et venir en salle de cours.